La France de 2025, c'est le gouvernement qui veut la dessiner. Il l'a donc demandé à certains de ses ministres de plancher. On va en parler maintenant sur BFM TV avec Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de cette France que vous voyez plus petite, plus vieille, moins riche. Je vous donnerai les détails dans un instant. Mais avec vous, Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM TV, est-ce que franchement c'est une bonne idée de faire travailler le gouvernement avec plus de 3, sur la France 2025, plus de 3 millions de chômeurs et une crise qui est toujours là ? Oui, c'est une bonne idée. Alors, on peut critiquer le moment choisi, on peut critiquer la méthode, mais qu'un gouvernement, qu'un président de la République s'interroge sur ce à quoi le pays doit ressembler dans 10 ans, c'est légitime et c'est même nécessaire. Ensuite, François Hollande, il est naturellement sensible à la critique qui lui revient aux oreilles depuis qu'il est à l'Élysée, selon laquelle il n'a pas de vision, il n'a pas de cap, il ne veut pas, ne veut plus passer comme un président un peu à la petite semaine, si vous voulez, ballotté au gré des événements. Puis il y a évidemment aussi de la politique dans tout ça. Si François Hollande ne nous avait parlé que des sujets de la rentrée, il nous aura annoncé que des mauvaises nouvelles. Les retraites, il va falloir cotiser plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, cotiser davantage. On va payer plus d'impôts en 2013. Il y a des arbitrages dans le budget de 2014 qui vont être douloureux aussi. Donc pour ne pas avoir à n'annoncer que des mauvaises nouvelles, il fallait aussi parler d'autre chose, montrer qu'au bout du tunnel, il y avait peut-être une vision, un bout de lumière, et c'est ça aussi l'objectif de cette rencontre de tout à l'heure. Alors, c'est aussi une manière de jouer tactique vis-à-vis de l'opposition, parce que le président dit, regardez, moi je me projette sur 2025, l'opposition, elle, se chicane sur le bilan de Sarkozy, quoi, sur le passé. Sur la question de savoir si il y a un débat d'inventaire, un droit d'inventaire à exercer ou pas sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, alors c'était de bon augure, c'était bien joué, on peut dire politiquement, de mettre l'opposition un peu au défi de relever et d'opposer un contre-projet aujourd'hui, c'était ça aussi un objectif de François Hollande, mais il pense aussi et d'abord à lui, François Hollande. Nous parler de la France dans 10 ans, c'est évidemment aussi peut-être une manière de suggérer que ça serait bien que ce soit le même président qui soit aux commandes jusqu'à en 2022, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que la stratégie est risquée aussi quand on lit la copie rendue par certains ministres ? Oui, alors il y a deux risques. Le premier, c'est celui-là, c'est celui de présenter un inventaire qui, d'une certaine manière, peut prêter à être sceptique ou parfois même à sourire quand Pierre Moscovici nous explique que le plein emploi c'est possible. On est en droit d'être sceptique. Arnaud Montebourg nous explique qu'on sera une formidable puissance industrielle. On peut s'interroger quand Cécile Duflot, ministre du Logement, nous dit que trouver un logement, ce sera une étape plaisante de la vie. Lorsqu'on connaît la difficulté du marché de l'immobilier aujourd'hui, ça conduit à s'interroger aujourd'hui. Puis le risque, c'est évidemment d'être en total décalage par rapport à ce que sont les préoccupations immédiates des Français aujourd'hui. Mais c'est un risque calculé, c'est un risque assumé de la part de François Hollande. Alors Jean Pisani-Ferry, vous écoutiez attentivement Thierry Arnaud, je voyais prendre quelques notes aussi. Pas d'objection à l'analyse de ce projet de la France de 2025 tel que le président de la République le conçoit ? Écoutez, il y a plusieurs pays qui ont fait ça déjà. On a beaucoup parlé de Gerhard Schröder en 2003, c'est-à-dire il y a 10 ans. Il a fixé un agenda 2010 parce qu'il percevait que les problèmes de l'Allemagne, à l'époque, qui allaient mal. Là, c'était sur 7 ans. Là, on est sur 12 ans. Ouais. D'accord. On est sur 10 ans. N'allait pas se résoudre du jour au lendemain. Je pense que c'est bien de traiter les urgences. C'est bien de temps en temps de lever le nez du guidon et de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit se fixer comme objectif de plus long terme. C'est Pierre Mendès France qui disait gouverner, c'est prévoir. Donc là, on est dans. Gouverner, c'est choisir. Ce qui est vrai aussi. Donc là, on prévoit et on va essayer de choisir, effectivement, ce sur quoi la France doit mettre l'accent et travailler. Il y a des choses qu'on peut prévoir. Il y a des choses qui sont des tendances très, très lourdes. Tout ce qui relève de la démographie, c'est très lourd. Le fait que, par exemple, on va avoir une population qui est considérablement mieux formée. Parce que les classes d'âge qui étaient sorties très tôt de l'école sont en train de partir à la retraite. Ça, c'est une chose dont on est certain. Le fait que dans le monde, on va avoir de plus en plus des classes moyennes qui vont consommer, qu'on n'aura plus la mondialisation des Américains qui consomment et des Chinois qui produisent, qu'on aura une mondialisation dans laquelle on consommera dans les pays émergents. Et en même temps, cette consommation touchera ses limites parce qu'elle touchera des limites environnementales, donc il faudra assez vite passer à un mode de consommation plus sobre. C'est une certitude aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut prévoir. Et puis il y a des choix, il y a des orientations sur lesquelles il faut dire ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut s'insérer dans la mondialisation ? Moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a une difficulté, on a des déficits extérieurs, on a des problèmes de compétitivité. Est-ce qu'on veut tout miser sur l'industrie ? Ou bien est-ce qu'on veut dire on va essayer d'exporter des
services plus, on va rendre des services plus échangeables. Ça, c'est un choix. On s'est posé aussi la question de modèle pour l'égalité. Est-ce qu'on va essayer de... Aujourd'hui, on a réussi à contenir l'augmentation des inégalités plus que dans un certain nombre de pays. Mais en même temps, on a des inégalités d'accès à, au savoir, à l'école, enfin au logement, à l'emploi, qui sont considérables. Et on essaie d'y remédier après par des transferts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre plus d'efforts à la racine des inégalités? Est-ce que Gerhard Schröder, c'est le bon modèle pour un président socialiste? D'une part, Gerhard Schröder, il a perdu les élections lorsqu'il s'est présenté sur son programme de réforme. Il a perdu au bénéfice, naturellement, de Mme Merkel. Et puis certains à gauche vous feraient valoir que la réforme Schröder, c'est aussi un marché du travail qui, certes, fonctionne, hein, avec un chômage beaucoup plus bas qu'en France, mais qui, pour de nombreux Allemands, est beaucoup plus précaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. C'est vrai que la réforme Schröder a eu des effets sur les inégalités, sur la précarité qui se voient. Donc on n'est pas obligé de suivre intégralement la réforme Schröder. La question que je posais, c'est celle de la démarche, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 10 ans. On peut prendre un exemple chez nous. On peut prendre l'exemple en 85, quand Chevènement a dit qu'il faut porter 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. À l'époque, on était à moins de 30% de bacheliers. 10 ans après, on était à 60%. Et ça, ça a transformer la France. Mais là encore, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que le fait d'être bachelier, est-ce qu'on n'a pas trop de bacheliers au dos? Est-ce qu'on n'a pas des bacheliers qui sont inadaptés au marché du travail? On a des bacheliers qui sont inadaptés, c'est sûr. On a des problèmes de qualité ici ou là, mais l'effet massif, c'est quand même que la population active française aujourd'hui, elle est beaucoup mieux formée qu'il y a 30 ans. Mais Jean Pisani-Ferry, vous dites qu'on aura une France plus vieille, plus petite, moins riche, qui ne manquera pas d'atouts. Donc, la question qui vient en corollaire, c'est est-ce que la France sera encore une grande puissance dans le concert des nations? Elle pèsera moins. Là encore, c'est de la démographie. Elle sera plus petite parce que sa part dans la population mondiale va baisser. Elle sera plus petite aussi parce que les pays émergents se développent. La pauvreté régresse dans le monde. C'est un fait absolument massif, très très positif. Mais ça veut dire que mécaniquement, notre part dans la richesse mondiale se réduit. Je crois que l'influence, c'est pas seulement le poids, c'est aussi le rôle qu'on joue, c'est aussi l'exemplarité, et donc ça dépendra aussi de ça. Et puis du relais européen, bien sûr. Parmi les grands thèmes que François Hollande vous a demandé d'explorer, il y a celui de la souveraineté. Comment la France peut-elle continuer à maîtriser, à décider de son propre avenir, notamment dans un contexte européen difficile? Alors, l'Europe, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement bien. Vous avez été longtemps à Bruxelles, responsable d'un think tank. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas, d'une certaine manière, comme le disent certains des adversaires politiques de François Hollande, pieds et poings liés? Au fond, on ne peut plus véritablement choisir notre avenir, prendre des grandes décisions sur ce que doit être la France à 10 ans, parce que on est sous la contrainte des engagements européens qu'on a pris et qui nous laissent finalement une marge de manœuvre qui est devenue infime. D'abord, on pèse en Europe. Hein. Il faut, même si l'Allemagne est aujourd'hui plus puissante, la France et l'Allemagne restent les deux pays centraux qui fixent les orientations pour l'Union européenne. Donc, nous sommes un acteur. Nous ne sommes pas du tout simplement passifs par rapport à des règles du jeu qui seraient décidées par d'autres. C'est un peu le sentiment d'une majorité de Français aujourd'hui, pourtant. Mais c'est pas vrai. Si on ne fait pas bon usage de cette capacité, c'est-à-dire si on est hésitant nous-mêmes, si on ne fait pas de choix sur vers où on veut aller, à ce moment-là, notre capacité d'influence est limitée. Mais c'est précisément aussi ça. Dans les exercices, il y a quelles sont les priorités, enfin les questions qui m'ont été posées, c'est quelles sont les priorités européennes. Il faut avoir des priorités si on veut influer. Mais... Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut faire des choix. Tout ce qui est les choix en termes de comment s'insérer dans la mondialisation, tout ce qui a trait à notre modèle d'égalité, tout ce qui a trait à notre modèle républicain, ce sont nos choix. Mais justement, puisque vous parlez de choix, les Français, quels choix doivent-ils accepter? Je crois qu'il devrait être cohérent. Je crois que notre problème, c'est... Il y a différents choix possibles, ce sont des choix sociaux, politiques aussi,
il faut surtout être cohérent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une chose d'un côté et autre chose de l'autre. Il ne faut pas, par exemple, je prends un exemple, vous ne pouvez pas dire « je veux attirer des étudiants étrangers, je veux que mes universités rayonnent » et puis dire aux étudiants étrangers « une fois que vous avez fini, vous avez passé votre diplôme, vous ne pouvez pas rester en France ». Ça, ce n'est pas cohérent. Et vous ne pouvez pas dire « je veux me développer dans tel secteur et avoir une fiscalité qui décourage ce secteur ». Donc je pense que l'exercice, la valeur de cet exercice, c'est de mettre en lumière des choix et ensuite de se forcer à de la cohérence. Et ça, ce n'est pas chaque ministre pris isolément. C'est un ensemble de politiques. Un ensemble de politiques. Jean Pisani-Ferry, on fait souvent référence en France au programme du Conseil national de la Résistance, qui nous renvoie à 1945. Aujourd'hui, on se projette sur une France de 2025. Est-ce que se référer toujours à un programme d'il y a 70 ans maintenant est valable pour une France qu'on projette dans 10 ans ? Il y a des valeurs qui sont toujours là, mais je pense que les modalités sont profondément différentes. Et je crois qu'il faut les revoir. Il faut du courage politique. Il faut par exemple qu'on accepte que notre école républicaine, dont on est si fier, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, elle ne réduit pas les inégalités. Nous sommes un des pays où la capacité de l'école à réduire les inégalités d'origine sociale est la plus faible. Et le constat, il est fait, il est dit, il est posé maintenant depuis quelques années. Le tweet, de savoir justement dans cet agenda ou dans cette France 2025, quels sont les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend. Oui, mais ça veut dire par exemple, est-ce qu'il ne faut pas mettre plus de moyens sur l'école primaire ? Aujourd'hui, on a une école primaire qui n'est pas très chère en comparaison internationale. On a un lycée qui est très cher. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens sur le lycée et sur le collège, peu de moyens relativement sur l'école primaire. Est-ce qu'il ne faut pas remettre plus de moyens sur l'école primaire de manière à éviter que ce soit là que se cristallisent des inégalités qui ensuite durent toute la vie. Est-ce que ce rapport sur la France 2025, vos préconisations, ça va partir encore en classement vertical ? Parce que la France est quand même la championne du monde des rapports et des préconisations qui ensuite restent lettres mortes. Écoutez, c'est pas on se souvient du rapport Attali sur la croissance de la France demandé par Nicolas Sarkozy. Est-ce que votre rapport va subir, ou les préconisations vont subir les mêmes sorts ? Ce n'est pas un auteur de rapport qu'il faut demander ça, c'est au destinataire. Moi, je vais essayer de faire pour le mieux, je vais essayer surtout d'écouter, et d'organiser des débats, parce que je pense qu'il ne faut pas faire un travail d'expert purement ou de technocrate. Il faut écouter les acteurs sociaux, il faut écouter les Français, il faut essayer d'organiser ces débats, il faut essayer de faire clarifier ces débats, comprendre ce qui nous différencie, ce qui nous oppose. Et puis ensuite, je ferai mes préconisations, je les ferai honnêtement et courageusement, et c'est le pouvoir politique qui choisira. Il nous reste 30 secondes. 40. On sent bien qu'il y a derrière ça une volonté de François Hollande de redonner un peu d'espoir et d'optimisme aux Français. C'est un thème sur lequel il a beaucoup insisté dans son intervention du 14 juillet, de redonner l'état d'esprit qui était celui des années 70, des années Pompidou, le TGV, Airbus, ces grands projets. Pour parler concrètement, quels grands projets peuvent inspirer les Français à l'horizon 2025 aujourd'hui, un ou deux exemples. Et vous avez 30 secondes. Vous avez parlé du plein emploi en disant qu'il y avait du scepticisme là-dessus. Aujourd'hui, le plein emploi, c'est la norme dans un certain nombre de pays. On considère que c'est normal. En France, on considère que c'est impossible. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une fatalité particulière à notre pays qui nous empêcherait d'atteindre le plein emploi ? Alors aujourd'hui, évidemment, quand on dit ça, on a l'air d'un doux fantaisiste. Mais la réalité, c'est qu'autour de nous, il y a des pays qui sont au plein emploi malgré la crise. Merci Jean Pisani-Ferry, merci d'avoir été avec nous, commissaire général à la stratégie et à la prospective pour évoquer cette France de 2025. Dans un instant, l'actualité continue sur BFM TV, normal, c'est la première chaîne d'info de France. À suivre.